Bonsoir. Je suis DJ. Bonsoir. Comment que ça va, les Nadine Ouais, salut, c'est Aurel, J'espère que vous êtes en train de hyperer tout ce qui est hyper. En tout cas, j'espère que c'est ce qui se passe de votre côté. Moi j'avais le chat sur moi, je me suis dit bon bah lance un live, hein, t'as pas le choix, il voulait pas partir. Comment qu'avons les nadines Non c'est faux, hein, je l'ai mise là explicitement, sur mes jambes. <coughs> ça vax, ça va que les gens C'est quoi le son s'il te plaît Je pense que je suis sûr que quelqu'un dans le chat peut te répondre. Merci Z Zexon 1979 pour ton prime. Zexon. Est-ce que quelqu'un peut répondre pour la musique, s'il vous plaît, dans le chat Il y a Galdec qui demande. Non, c'est pas forêt, Etim, tu te trompes. C'est forêt, mais un peu euh, tropical, tu vois. Mais je me rappelle plus, moi. Comment ça va, le, tweet, le Twitch de Pet De Pete Kathleen, Lex, Idiz, Tib, Laura, Aglou, Tessa, Sayort, Noémie. J'ai eu un petit rototo. Dimemux. Subu, Rinema, Théo, je vous vois, je vous lis, vous êtes super, vous êtes hyper, char Chartou, Roro. Là, si les gens savent pas qu'il y a le chat, on peut vraiment penser que je me caresse par contre. Il y a un chat Je caresse un chat pour les gens qui sont arrivés en cours. Ma main qui bouge frénétiquement, c'est un chat. Je caresse un chat. Ok, j'ai dit tout le monde ou pas un, 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 salut Miss Mev Salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde dans le chat. Salut tout le monde hors le chat. Les lurkers, comment que vous allez les lurkers Répondez-moi dans votre tête, je vous entends. Ouais, les lurkers qui m'ont répondu dans leur tête, c'est que ceux qui savaient que c'était des lurkers. Il y en a qui ne savaient pas que vous étiez des lurkers, c'est le nom des gens qui ne sont pas dans le chat, les lurkers. Donc là, il y a des gens qui étaient concernés, ils n'ont pas pensé à moi, ils n'ont pas répondu dans leur tête. Donc là, faites-le du coup ce coup-ci quand je vais redemander. Les lurkers, est-ce que ça va Répondez-moi dans votre tête. Voilà, normalement c'est bon. Normalement, c'est bon. Il se passe quoi ce soir Bah, j'ai lu dans le titre les bails de petits trucs de films là. L'autre fois, on m'a conseillé des petits films de films et coucou et euh, des petits des petits jeux de films et c'était marrant. Et je crois qu'on en a testé que deux, mais je crois même qu'il y en avait d'autres et tout, mais je sais plus si c'était listé sur le Discord ou quoi. Mais moi, j'avais bien aimé faire ça. Et là, comme ce, cette semaine, les amis, je n'ai pas la, le, le temps de faire une, une grosse de, des grosses soirées, le, de streamer le soir toute la soirée. Je me suis dit que j'essaierais de caler une fois ou deux un petit live de fin de soirée de une heure, une petite heure, en espérant que j'arrive. Faut que je m'y tienne, en fait. Si je veux que ce genre de petit live puisse rentrer dans mon dans, mon, dans ma routine potentielle hebdomadaire, il faut pas que je craque. C'est ça, tu sais. Il faut le, le. sinon là, je me dis bah donc je vais essayer de le faire, de m'y tenir et de faire une petite heure jusqu'à minuit et demi deux petits jeux cinoches, en espérant que je sois aussi fort que quand j'étais hyper fort la dernière fois. Pas aussi fort que quand j'étais moins fort, mais aussi fort que quand j'étais fort. Et du coup, voilà, pour les gens qui connaissent pas trop euh, ces sites-là, le dernier fois, on avait joué à deux jeux. C'était euh, ça. Genre, euh, attendez, il n'y a pas le bon écran. Tac, pro de la tech. C'est genre, ça s'appelle framed. Et on te balance une image d'un film. C'est hyper dur. Et donc, tu tentes un film, c'est pas ça. On t'en propose une deuxième. Et tu tentes un film, c'est pas ça. Et jusqu'à six photos comme ça. Et c'était pas mal du tout ça. C'était pas mal du tout. Et, euh, et c'est marrant parce qu'au début, c'est vraiment impossible. quoi. Quel ouais. Là, vous pouvez backseat si quelqu'un sait. Vous n'avez pas le droit en général. Hein. Moi, ça me rappelle la scène dans Le Dictateur quand ils sont euh, dans l'avion, quand il est dans l'avion et qu'il y a des touristes en face un peu gênés. Avec euh, Sacha Baron Cohen, là. Non. C'est une dinguerie. Donc ça, par exemple, les gens, c'est un film qu'on a eu l'autre fois, et du coup j'avais la réponse. Mais j'ai trouvé en deux, je vous ai feinté, c'était un prank hein, pour les gens qui n'étaient pas là, mais figurez-vous quand même que c'est mon fait d'armes de, de la dernière fois, parce que la dernière fois on a joué à ça, les trois premiers jeux, j'ai trouvé en trois images, et je me suis dit, ok, je suis le gars le plus chaud du monde, quoi. Et après j'ai galéré de ouf, de ouf, de ouf, mais sur celle-ci, j'ai trouvé en deux. Ce n'est pas un truc de ouf, je me disais, ça je connais, ça je connais, c'est une comédie, un truc et tout, je connais, il y a un truc, je vois ça. Je fais, attends, mais c'est pas. Oh, The Dictator. Classe. Mais en un. <laughs> Là, je vous ai fait un petit prank. Vous avez vu, je ne vous ai pas fait tourner en, boutique, en en bourrique, ni en boutique, trop longtemps. J'ai assez rapidement euh, fait, révélé le poteau rose. Mais c'est drôle que quand je rallume le site, il me remette celui-là, tu vois. Voilà. J'ai testé avec Anis et Pierre Hilléret pendant notre petit séjour à Nantes. Euh, Pierre était assez fort, alors qu'il est jeune, mais putain, une culture ciné assez balaise. Et Anis, lui, soit il ne trouvait pas soit il trouvait en une image donc c'était marrant c'est soit vraiment il y a des films qu'il a vu peu de films mais qu'il a vu mille fois mais sinon euh, tous les autres il faisait mais je m'en fous moi <laughs> donc c'était marrant mais par contre il a trouvé en une image Men in Black et il a trouvé en une image euh, en une image Men in Black et en une image euh, Spider-Man euh, celui avec toby Maguire en une image les deux Bon, j'avoue, c'était un peu plus facile que... que quand moi, je trouve. Mais quand même. Donc ça, c'est le premier jeu. Donc comme je viens de l'expliquer, je pense que ce serait malin de lancer une petite partie de ce premier jeu. Et effectivement, comme dit Mev, rappel, no backseat, pas de suggestions, pas d'indices, pas d'aide. Ou c'est Théo, soyez cool, il est tard. Je... <laughs> je sais pas si les gens, ils savent Théo. Regardez, il y a le chat. Parce qu'elle était partie, elle est revenue, donc je vous montre. Alors, euh, même sur l'image 1. Hein. Ah oui, non, 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 bah non, bah non c'est des, voilà, des, forcément, vous pouvez avoir une idée. Et des fois, quand je vais parler, je vais dire euh, Mais c'est quoi ça C'est pas une question. C'est pas une question que je vous pose. Quand je vous poserai la question, je vous dirai Bon, allez dans le chat, est-ce que quelqu'un veut gagner Mais si je dis pas ça, quand je vais dire Mais c'est quoi ça Attention, ce n'est pas une vraie question. Euh, D'ailleurs, je vais l'écrire à l'image. Je vais l'écrire à l'image. J'avais fait un truc à un moment donné de collaboration commerciale, là où j'écrivais un truc à l'image. Un texte. Ah, mais c'est sur l'écran principal. Alors. Il est où ce texte C'est ça, je crois. Ah non, ça c'est une image, ça c'est un texte. Yes. Allez, on va prendre ça. Vous pouvez aider toutes les coulisses de Twitch. Donc là, je prends ce texte, celui-là, là, où c'était à la base. <laughs> Voilà, je prends ce texte que j'avais créé pour ce live, je le copie, je le colle sur l'autre source, je le désactive avant de partir quand même parce que je suis un pro-Twitcher. Un pro Écran 2, bam, et là je fais pomme C, je fais pomme V, et bam Maintenant on va changer le texte quand même peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez On va écrire « No backseat ». No backseat, please. J'ai écrit bad steak. J'ai écrit no back ce backsteak. C'est pas une blague. Hein. J'ai pas fait exprès. J'étais en train de me concentrer et tout machin. J'ai écrit no backsteak au lieu de backseat. <laughs> Alors, ça donne envie de le laisser. Mais si j'écris juste no bastec, les gens ils vont backseat. C'est ça le problème. Vous voyez ce que je veux dire T'sais, Ils auront une excuse. Ils diront Bah, t'avais écrit backseat. Et je dirais Mais non, mais on se doute bien que c'est backseat. -back mais il a écrit backseat. Donc euh, ils vont. Les gens ils vont. Ils vont... Attendez, je vais écrire un deuxième. Et je vais écrire No backseat, please. Et en dessous, ni bastec. Ok, c'est bon, ça, vaut va, ça, ça vous va ça Ça vous va comme. On coupe la poire en deux. Alors, copier, coller, coller, ok, tac, ok. Alors, et celui-là, on va écrire nos backsites. Parce que c'est quand même ça le vrai mot, hein. je vous rappelle, pour ceux qui arrivent. Backsite, ça veut dire quand les gens, ils aident. Et là, il ne faut pas aider. Alors, ah merde, ça a changé les deux. Ah merde, putain. Vous voyez ce que je veux dire Vous voyez le problème que j'ai Ah maintenant, il y a toujours... Attends, je suis fou. Attendez, je viens fou. Je ne sais plus écrire à Je ne vois plus ce qui est écrit. Pourquoi il a changé les deux quand j'en ai changé un C'est casse-couille. On allait se marrer, on était en train de péter des caps de bonheur. Putain, ça change les deux, quoi. <laughs> ça se trouve, un steak qui était parti du chat depuis quelques semaines voulait faire son grand retour ce soir, mais avec ce message, c'est mort. Euh, ouais, no backsteak. Mais là, ça a, ça a tout changé d'un coup. C'est chiant. Ça veut dire que de l'autre côté, sur ma caméra plein écran, là, le texte, je l'ai changé aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais, il y a écrit no backstack derrière moi aussi, regardez. Ça l'a changé partout. <laughs> no backstack! No backstack, les potes! Ok, super. Pas de backstack en tout cas. Si je vois un backstack ce soir, c'est banstack. Instant. Comment je fais pour changer que. Euh, bordel. Bon, faut que je crée un nouveau texte, quoi. <laughs> Putain, mais moi, je sais pas faire ça, moi. Vous êtes marrant, vous. Allez, allez. Plus. Ensuite, texte. Voilà, ça va, c'est pas dur. Non, j'avoue, j'ai un peu forcé. C'était pas très dur. Il suffisait de mettre, euh, euh, rajouter un texte en fait, pour euh, rajouter un steak. Un steak. Ah putain, je suis foutu. Je mets des steaks partout. Je mets des steaks partout. No backsteak. Ah oui, donc là, il faut que j'écrive ni backsteak, <laughs> ni basteck. non plus. Hop. Je suis en train de vous préparer un. Ah merde Ah oh, putain Ah putain Pardon J'arrive, hein. j'en ai pour une demi-heure, je pense, à peu près. Je pourrais vous partager cet écran-là, mais vous verriez euh, toutes les... trop les coulisses de Twitch. Basteck, je mets un C avant le K ou pas Backsite. bacastec. J'hésite à mettre un C avant le K à Backstek. Ni Backstek. Non, c'est comme ça, un stek. Pas de C, on est d'accord. Hein. Adrien, il n'y a rien qui dit. Une heure de live donc. Oui, bah, je vous ai dit. Là, on prépare. Une fois que c'est bien prêt. Alors, il est où ce nouveau texte Ah, il est en grand là. Ok, j'avais pas vu. Ok, pas mal. Il faudrait qu'il y ait un petit... C est, c est pas là. On, a, on préférait l'autre police. Hein. On préférait l'autre police. Quelqu'un peut m'expliquer dans le chat comment... Déjà, lui, je peux en dégager un, parce qu'il y en a deux là, des backstacks. Pas, pas la peine qu'il y en ait deux backstage, tu dégages. Hop, il y a un backstage, regardez, il y a un backstage qui disparaît. Mais eh ouais les gars. Euh, par contre, euh, ok, 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 bon écoutez, en fait il faudrait un petit cadre. Quelqu'un peut m'expliquer quelqu comment on fait un cadre derrière un texte s'il vous plaît Dans le chat. Un, 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 un. Ok, bon on va se la jouer comme ça, c'est déjà pas mal. Vous savez qu'à. Tu fais triangle, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Créer un calque de couleur ou un truc du genre, je pense. Mais vous avez cru quoi, en fait Moi, j'ai pas votre temps. Hein. Euh, vous savez que là, j'ai tellement bugué sur Backstack que je sais même plus, je suis même plus sûr de comment on écrit Backseat. Ok, je l'ai bien écrit Ah oui, c'est bon, je l'ai bien écrit. C'est fou ce qui se passe. Ce qui se passe c est dingo, quoi. Ok. Euh. Oh. <laughs> Il y a, a Backsteck euh, qui a offert un, un abo à Miss Mev alors qu'il est interdit normalement, euh, il est ban d'office. C'était écrit sur l'écran, ah, regardez, il y a écrit No, no Backsteck. Je suis dépassé par les événements, je sais pas si je vais réussir à gérer ce live. Euh, donc ça, les gens... Ah, c'est l'inverse Attendez, j'ai dit l'inverse euh, Non, c'est l'inverse. Alors attendez, moi j'ai dit qu'il fallait... Bah j'ai il y a écrit no back no back seat, ni backstack et là euh, c'est backstack là on parle du subgift ah c'est <laughs> j'étais en train de me dire alors attends on a dit no <laughs> donc s'il est là, alors, est, comme on a dit non, il devrait pas être là. Non, non, juste c'est Miss Mev qui l'a offert à, à, à Backsteak. Ah, dans cet inverse-là. D'accord, ok. <laughs> je comprends mieux. Ah, putain. Mais le PSG a perdu aussi. Vous êtes marrant, vous. <laughs> Allez. Allez, les potes. Donc, le premier, je l'ai trouvé en deux. Hein. Ça, hop, voilà. Je l'aurais trouvé en trois, je l'aurais trouvé en quatre. En six, je ne l'aurais pas trouvé, par contre. Donc, framed, il y en a un par jour. Là, on va faire le film du jour. Ça, c'est le film du jour, ça Alors, faut écouter votre cœur, hein, je vous rappelle. Là, on dirait que c'est en Angleterre, parce qu'il y a une cabine, un taxi euh, anglais, un drapeau carrément euh, un, de, de l'Angleterre, mais juste, il est pas mis dans le bon sens. Mais moi, j'ai l'œil, j'ai reconnu. Tu le mets dans l'autre sens, c'est bon. Là, il y a écrit que. Ah, c'est drôle. Est-ce que c'est un piège en mode. Euh, parce que là, c il y a ri... aucune photo n'a été plus Londres que ça, quoi. Là, il y a le truc du métro londonien. Et là, il y a Adrian Brody quoi. Non, c'est pas Adrian Brody. Surtout sur les Donc pour, les gens qui découvrent ce... pour les gens qui découvrent ce jeu, euh, au début, ils ne te mettent pas les personnages principaux, etc., etc. Ils te font un peu tourner en bourrique. Quoi. Sauf quand c'est Spider-Man, euh, quand Anis y trouve direct, c'est parce qu'il y a Tobey Maguire. Mais moi, quand je suis fort, c'est jamais facile, comme quand c'est Anis Nazis. Anis, c'était trop facile. Non, Man in Black, si on tombe sur Man in Black, vous verrez que le trouver en 1, c'est quand même balèze. Ces taxis, on reconnaît bien Marseille. Non, 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 non c'est en Angleterre, regarde, il y a une cabine, un drapeau, il y a écrit Londres derrière, et le taxi, les trucs jaunes, machin, un truc. Alors ça, ça peut être quoi Un film anglais. Pas de proposition. Quand je dis ça peut être quoi C'est pas une proposition. Ah mais c'est relou en hein, haut, oh, le no site il est caché. Le no site il est caché. Euh... Ouais, moi bon, bon, j'ai la flemme de faire un cadre, mais ça serait mieux quand même. Mais là, on est là pour jouer, on n'est pas là pour faire des cadres. Ok. Est-ce que c'est épinglé, les modos, le fait qu'il ne faut pas back-citer dans le, dans le chat ou pas Je crois qu'une fois que vous aviez fait ça, j'avais trouvé ça vraiment incroyable de votre part. Je m'étais dit, mais oh, c'est modo, c'est vraiment une dinguerie. Est-ce que vous êtes euh, apte à faire ce type de dinguerie Vous êtes euh, apte à faire ce type de dinguerie Ah, oh, ce petit écho qu'on adore Bon, je vous, je vous fais confiance. J'ai essayé d'activer mon chat, mais je ne sais plus comment, comment on fait. Ah, chat, c'est bon, j'ai trouvé. Il est super. Putain, ce chat, c'est... Oh là là, ce chat. Pff, il est beaucoup trop loin de moi, mais qu'est-ce qu'il est bien. Euh, je bois un petit peu. Ne me, me spoilez pas, ne hein, me le poignez pas. Voilà, vous avez le droit de faire des blagues, mais pas... Mais non, non, parce que des fois dans les blagues, vous allez me... Ça va y avoir des indices. Faites gaffe Faites vraiment des blagues très 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 loin. Du genre, voilà, brise de Nice. Mais ça pourrait être brise de Nice. Faites gaffe. Alors. Ça, l'eau gazeuse, ça gaze. Hein. Euh, bon, allez. Euh alors, allez, allez, on y va. Allez! Mon cerveau, il m'envoie quoi? C'est un film anglais, je connais quoi comme film anglais? Pas grand chose. Euh, Guy Ritchie, euh, Kingsman, euh, je sais pas quoi. Euh, euh, des trucs de, 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 de James Bond, des, des Jason Bourne, des, des Missions Impossibles qui voyagent en Europe, là. Euh, on va commencer par euh, le film avec euh, Clive Owen où il n'y a plus qu'un seul, il n'y a plus d'enfants sur Terre. Euh, le fils de l'homme, un truc comme ça. Allez, on va tenter le fils de l'homme. Ah oui, mais faut que je mette les trucs en anglais, ça c'est casse si Il faut que je mette le truc en anglais. Ah, oh, j'avais oublié ce, ce gros détail. Bah non, il a écrit le signe du lion en dessous. Est-ce que quelqu'un a le nom du le vrai nom du film Est-ce que je me gourre Parce que si je perds un point là-dessus, c'est casse quoi. Pardon pour la vulgarité. Le fils de l'homme, Children of Men. Merci beaucoup. Merci. Euh... V one, one Floss. Allez, de toute façon, ça va pas être ça. Là, j'étais dans ma tête en mode putain, j'y ai cru quoi. Il y a du basketos. Alors là, à part semi-pro et à part avoir le nez bouché, chez excellent film. Si vous aimez les films avec des, des plans séquences. De l'action dans des plans séquences, je crois que c'est le film qui m'a fait le plus halluciner, moi. T'as des longs plans séquences d'action, t'es en immersion, c'est fou, quoi. Et le scénar, il est chambé. Et il y a les Pink Floyd dedans, si vous aimez les Pink Floyd. Enfin, il y a le, 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 le cochon de, de la pochette des Pink Floyd, en vrai. Là, j'ai juste semi-pro. Je croyais que le backseat était interdit. Ah non, mais backseat est pas. Children hein. of Men, j'avais demandé le titre en anglais. Bon, bah ça, j'ai semi-pro. En basket, là, sinon, j'ai Space Jam. J'ai Space Jam 2. Euh, j'ai euh, Slam Dunk, le film, mais c'est un dessin animé. En basket, j'ai pas grand-chose, là, dans mon cerveau. Hein. Allez, on va mettre semi-pro avec Will Ferrell. Ah, mais putain, pourquoi il me propose pas les titres que je tape, là Je vais devoir vous demander à chaque fois. Comment c'est quoi le titre original Bah, bizarre. Oula. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est semi-pro le nom, bordel. Putain, c'est chiant. Hein. Bah ouais. Bon, bah let's go, on va taper ça. Allez, submit. Ok, donc c'est pas ça. Ok, donc maintenant on peut revoir les images, vous voyez on peut refaire un petit tour. Donc là, ça a l'air d'être dans le monde du basket. Il y a de l'Angleterre là-dedans. Il y a de l'Angleterre et du basket Mais ça n'existe pas ça normalement. Et ça, ça se passe où ça Billy, là c'est Carrie là. C'est plus du basket en Angleterre là. Parce qu'il y a écrit Billy. Donc là on est... Tu me diras Billy pourquoi ça serait pas anglais Il est fou lui. Je suis complètement con moi. Je crois que je l'ai. Psartec Carlito. Dis rien. Dis rien euh, alors, ça peut être en Angleterre, mais ça fait qu'un riz, parce que là, je disais il y a au début, il y a Billy, alors que Billy Elliot, il est anglais. Mais là, c'est des riz, Regardez, allez à Gérard Junio, donc ça doit être genre peut-être c'est les bronzés trois peut-être. Bon, euh, basket, qu'un riz... Tain, je vais pas l'avoir celui-là. Ah, mais en fait, il faut que j'arrête de vouloir absolument les avoir, c'est ça. Faut pas que je passe une heure dessus, quoi. Si je l'ai pas, je, je dis que mon cerveau il envoie et puis voilà, quoi. Euh, Qu'est-ce qu'il envoie mon cerveau Qu'un riz, truc. Euh, ça, c'est quoi Angleterre. Merci beaucoup, Piscabouille, pour le deuxième mois. Euh, Angleterre, basket, truc. Ouais, j'ai R. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'il envoie mon cerveau Putain, il envoie R du tout, quoi. Euh. M'en bon, dites pas, hein. C'est pas d'une 3. C'est pas d'une 3. Et là, j'ai l'information qui est je crois que j'ai pas vu ce film. Parce que ça, c'est en 4. T'as reconnu l'acteur au début. Bah au début, je dis que c'était Adrian Brody. Bordel, je sais pas. Je sais pas. Bon, tant pis, hein, celui-là je l'ai pas, c'est pas grave, c'est la vie Aurel, t'es pas obligé de trouver tous les films. Je veux cliquer sur le truc d'en dessous. Bon, bah, d'une, deux. Oh Adam Sandler Ah oh, putain Il y, y a le bon Sandler, c'est Sandler ça c'est sans dire ça Bah non, est, il est que là à la fin. Putain Je connais un peu la filmo du gars, moi. Je connais moi un peu la, la putain de filmo du gars, quoi. Euh, C'est un putain de truc que j'ai pas vu, quoi. Putain Attends. Non, ça peut pas être ça. Bon, bah moi j'ai que ça à tenter, mais. Euh, j'ai l'affiche là-bas, Uncut James Si c'est Uncut James, faut que je le revoie parce que j'ai une affiche. Mais ça va pas être ça. J'ai une affiche. Et je, me... Et je le trouve pas en 5 Ok, c'est pas ça. Je suis rassuré, je suis content que ce soit pas ça. Oui, bon, bah je l'ai pas, ça va, je connais pas tous les films d'Adam Sandler, putain euh, bon, on est en 6. Euh, qui veut trouver dans le chat Vous avez le droit de dire. Uncut. Ah, ah. Ok. Apparemment, c'est pas uncut. C'est... Hustle. <laughs> hustle, les potes. Attention... Bingo! Eh ben, bah, j'ai pas vu moi ça. Mais c'est sorti où? C'est un truc Netflix? C'est un truc bien? C'est un film Netflix, ok. Ok, bah bravo. Euh... Ice, Carlito et ton blasé, N Numb Dumb. Bravo à vous. Bon, faut que je sois fort une fois là. <laughs> euh, j'ai rigolé parce qu'ils sont vieux, c'est marrant. Ils sont vieux, ils sont un peu gros, c'est marrant. Mais ça, ça me dit un truc. Vous voyez le film avec Sacha Baron Cohen, où il fait un dictateur, là bah, À un moment donné, il est dans un avion avec deux vieux. Dinguerie. Dinguerie. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, c'est la deuxième fois que je tombe sur ce film. Enfin, troisième fois. Et c'est effectivement The Dictator avec Sacha Baron Cohen. Euh, les States, déjà. Donc ça, c'est les States, c'est la guerre, ces trucs, machin. Euh, pff, euh, allez, euh, c'est pas ça, mais on avance. La nuit nous appartient. Ah, mais il faut que je mette en anglais. C'est ce que mon cerveau, il envoie. Ah, oh, putain. Ouais, c'est borat ça. Alors c'est quoi le titre de la Nuit nous appartient Ça c'est long hein, votre jeu. Hein. We own the night. Regardez le pro gamer que je suis. Alors je vous rappelle que c'est pas ça. Hein. <laughs> quoi Fous de ma gueule ben, bah, bah, euh, 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 Pourquoi y'a pas Vous l'avez tous, quoi. Ah! Attendez. Pas de spoil, hein? C'est quoi ça? Est-ce qu'on dirait Bruce Willis? Ouah, je l'ai pas. Euh, ok. Dites pas dans le chat. Alors, un gars qui. Hop, ouais, il y a un mort et tout machin, la police, les flics, je sais pas quoi. C'est quoi C'est The Rock ah Non, c'est pas Sean Connery, là. Moi, ça m'envoie du Bruce Willis, donc l'armée des Douze Singes, du The Rock. Mais je suis pas convaincu, quoi. The Rock, quand il s'évade d'Alcatraz, là, ou des bails de Armageddon. Mais non, Bruce Willis, il est sympa, là, il a pas l'air sympa. Là, ils ont l'air méchants, tous ces gens. Qu'est-ce que c'est que ce film Allez, tant pis, on sait pas. Aurel c'est pas grave, on n'est pas obligé de tout trouver rezoome bien, je vais gerber. C'est quoi, c'est frame le jeu exactement, comme son nom l'indique en fait. Euh, J'ai dit quoi Bon bah moi je mets euh, The Rock. Allez huit. Ah mais ils vont croire que c'est euh, le gars The Rock. Parce qu'il y a. <laughs> ils vont me dire ce n'est pas le gars. Je vais dire mais là, pas le gars de le film, pas le gars. C'est Rock ou c'est The Rock Non c'est The Rock. Oh Wouah Ah putain Dingri Et là vraiment j'ai écouté mon cœur hein. Là vraiment j'ai écouté mon cœur Je l'ai quoi, c'est The Rock les gars Dingri Franchement c'est pour. c'est beaucoup plus impressionnant. Ah non, mais je, vous, je te jure, Elias, c'est beaucoup plus impressionnant. Ah oui, merde, du coup, comme je fais des fakes sur euh, The Dictator, vous croyez que je rigole Non, 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 bah vous avez vu ma réaction. Hein, sur euh, The Dictator, bon, je le fais tranquille, je fais. Dinguerie <laughs> Et on passe à autre chose. Là, non, non, là, vous m'avez vu gagner, là. Putain, c'est The Rock, quoi Incroyable Incroyable Waouh. Mais là, vraiment, parce que quand j'étais petit, je kiffais The Rock, mais genre, je l'ai jamais revu, tu vois. Donc c'est vraiment, vraiment un délire de fausse faire confiance. Je pense que ce soir, on n'aura pas de meilleur exemple de euh, je sais pas d'où c'est venu, quoi. Parce que, tu sais, je vous disais, ça me fait penser à The Rock. Mais pour moi, The Rock, je euh, bah, j'ai vu Bruce Willis. Là, on dirait des mercenaires. Alors qu'à la base, c'est des gens qui veulent s'évader d'Alcatraz. Et il y a Sean Cod Ah non, attends. Ah mais non, c'est pas ça c'est Nicolas Cage et Sean Connery qui doivent s'infiltrer dans Alcatraz. C'est à, à l'envers justement. Genre dedans il y a des méchants et donc il y avait un côté un peu piège de cristal. Donc c'est pour ça que j'aimais bien. Genre il faut rentrer dans la tour et il y a des terroristes. Et là il fallait rentrer dans Alcatraz pour faire un truc. Donc il, devait, il faisait un, une prison inversée. Il faisait une Alcatraz inversée dans The Rock. Et c'est le moment donné où j'ai commencé à kiffer le cinéma. C'est genre en 96. J'étais tout petit hein, et j'ai kiffé le cinéma. J'ai décidé que je kiffais le cinéma quoi. C'était le moment donné où voilà, j'ai commencé à genre à lire première quoi. Et du coup, euh, c'était culte pour moi, mais je ne l'ai jamais revu parce que ça n'a pas. Tu sais, à l'époque, il y avait genre les volte-face de John Woo avec Travolta et Nicolas Cage, qu'on super bien, enfin, qu'on bien vieilli aujourd'hui. C'est connu. Les gens, ils disent volte-face et tout. The Rock, non. The Rock, ça reste, c'est resté à l'époque, quoi. Ah bah, la troisième photo, c'est Alcatraz. Donc effectivement, les gars qui doivent là, ça m'aurait, là, j'aurais dit, oh putain, si j'avais tenté au-delà l'armée des douze saints j'aurais été dead. J'aurais fait, oh putain, c'était The Rock. Voilà, Nicolas Cage tout jeune, et Sean Connery. Ouais, je me rappelle, j'étais en mode « Waouh, c'est trop bien le cinéma !» et tout, je découvrais les blockbusters américains. Quoi, parce que j'avais jamais vu les Van Damme, même les Stallone, les, les Schwarzenegger, j'avais rien vu, moi. J'ai commencé avec Piège de Cristal, donc Die Hard", hein, et hein, mais t'sais, en VHS, longtemps après la sortie, quoi. Et dans la foulée, euh, au cinéma, ça m'a chauffé à avoir genre ça, et j'ai trop kiffé, quoi. Voilà, vous avez le début de mon histoire avec le cinéma en vrai. Genre en cinéma, genre j'y vais tout seul, quoi. Ce quelle l'activité que je pratique depuis longtemps. J'espère que vous êtes fiers de moi. Je ferai jamais mieux là, je devrais changer de jeu en vrai. Haha, <laughs> marrant la blague, vu qu'on l'avait déjà vu fait au live avant. Le mec qui lâche pas l'affaire, qui raconte des anecdotes d'enfance et tout, toujours la même, hyper longue. Mais en même temps... Euh... Non en vrai, non en vrai, j'ai pas envie de... J'ai envie quand, les, les, quand que vous compreniez quand je rigole. J'ai pas envie que vous pensiez que je vous troll tout le temps. Donc en général, quand je quand je troll je vous, je fais en sorte que ça, ça fasse partie de la blague, parce que là je pourrais, j'allais dire, j'aurais pu, euh, c'est tentant de pour ceux qui savent de rejouer exactement la même longue scène et de raconter une anecdote d'enfance et tout, mais en vrai après tu sais plus, c'est sûr, donc voilà non, je je ferai pas ça. Mais même, même si là je sais qu'il y a des gens qui se disent, est-ce que ça il l'a déjà dit dans le live d'avant et il continue de se foutre de notre gueule, non. Donc là il y a un bateau. Euh, ça me fait penser au talentueux monsieur Ripley. Ça me fait penser à. En premier, ça m'a fait penser à, à... à Pearl Harbor. Mais on l'a déjà eu l'autre fois, je crois, Pearl Harbor. Blockbuster là, du gars de, de indépendan Indépendance Day. C'est ça, hein, je crois. Non, peut-être pas d'ailleurs. Bon, je bah, je sais plus. Euh, Dites pas, hein, surtout. Attention, le grand Ed Harris, tu parles de quoi là Faut pas backseat, hein Alors là il y a un bateau, on ne sait pas s'il est petit ou s'il est grand, mais il y a un petit soleil, mais en même temps c'est pas paradisiaque, donc c'est pas forcément euh, talentueux monsieur Ripley, parce que ça m'envoie ça. Je sais pas pourquoi. Et sinon l'an premier ça m'a envoyé par l'arbor mais on l'a déjà eu, je crois. J'ai vraiment cru que tu trollais MDR. Non non, pas du tout, pas du tout. Non, je me dis, c'est délicat, parce que moi j'ai l'impression que la frontière elle est claire quand je le fais ou quand je le fais pas, mais en fait non, des fois pour les gens, même dans mes, dans mes vidéos YouTube je veux dire, pour moi je sais très bien à un moment donné où j'essaie de faire en sorte que les gens comprennent que ça part sur la fiction, mais en fait tout le monde à son moment euh, euh, tout le monde se pose potentiellement des questions et ne ne, ne capte pas au même moment quoi mais sachez que j'essaie pas de vous, j'essaie de faire en sorte en tout cas que vous compreniez quand je déconne mais c'est dur à faire comme exercice quand tu joues un alien pendant deux heures, par exemple. Voilà, quand je jouais l'alien. Bon, je. Mais là, c'était pas du troll, là. On, on joue... Enfin, bref, c'est différent, quoi. Mais en tout cas, j'essaie de faire en sorte que les gens comprennent, ouais. <laughs> si, c'est pas toujours facile. Alors, bon, on va tenter replay. Hein. Talentueux replay. Si je tape replay, il me propose. Ça serait peut-être pas con que je fasse ça, plutôt. Replay. Yes En fait, c'est ça qu'il faut faire. The Talented Mr. Replay. Allez, let's go. Quoi Bienvenue, Johnny Depp! Mais ça serait Johnny Depp et euh, il serait pas sur la deuxième photo, quoi. Tout à fait, je ne suis pas Johnny Depp. Mais qui êtes-vous, monsieur? On peut pas zoomer plus. Ok, donc là, on n'est plus sur du Pearl Harbor ou quoi que ce soit, ou du replay. On est sur un peu de. soit à l'ancienne, soit onirique. Ouais, c'est plutôt à l'ancienne, quoi. Bon, moi, j'ai rien, j'ai pas de ref. Hein. On va mettre. Euh... J'ai vu Johnny Depp, donc on va mettre. Il euh... y a Ed Harris dans The Rock Ah, ok. Ah, c'est lui le méchant. Ah, c'est de là que je connais Ed Harris. Parce que Ed Harris, des fois, vous voyez, je sais pas si vous voyez qui c'est Ed Harris, mais je vois sa tête et je me dis, c'est culte, c'est Ed Harris. Et après, je me dis, mais je... en même temps, j'ai vu quel film avec Ed Harris, moi Et bah ben, c'était The Rock, en fait. Énorme. Énorme. Merci pour cette précision, j'adore tout. Donc, je vais mettre Pirates des Caraïbes. Parce que j'ai vu Johnny Depp et qu'il y avait un bateau, les frères, avant, donc calmez-vous, quoi. Pirate. Piret. Bah, lequel Il y en a 57 Putain. C'est quoi le 1 Bon, le 1 s'appelle The un truc, quoi. Ah non, de la malédiction. At World's End. Putain, c'est chiant. Peux... Ça, vous pouvez me là-dessus C'est quoi le 1 Non, allez, tant pis, on va le faire au bluff, c'est marrant. Allez, The Curse. De toute façon, c'est pas ça. C'est juste que si je tente un Pirate des Caraïbes sur les 4 prochaines, il y a de quoi faire en Pirate des Caraïbes. ça le problème. Attention, est-ce que c'est The Curse Ouais, Darren c'est The Curse. Pourquoi d'un coup, on est dans un autre univers total, là On est dans Hunger Games. Ça marche ou pas, Hunger Games Non, il a pas de bateau. Et il n'y a pas de Johnny Depp dans Hunger Games. Putain Qu'est-ce qu'ils me font, là Qu'est-ce qu'ils me font, bordel ça va encore être euh Wonder Woman ou Wakanda. Pourquoi il y a. C'est Game of Thrones, ça Putain, je sais pas. Il y a de la neige Il y a de la neige. Putain, je vais des trucs très différents, quoi. Alors, qu'est-ce qui m'envoie, mon cerveau Mon cerveau, il m'envoie. Euh... Rien du tout. Euh. Bah, il m'a envoyé Hunger Games, au début, c'est la seule chose qu'il m'a envoyé. Mais c'est pas Hunger Games, quoi. Il y a Jacouille, là. Pourquoi il y a Jacouille en bas Vous avez vu, il y a Jacouille. On ouais, d'accord, hein. Sans dire euh, lequel film c'est, Qu'il l'a Mbappé C'est un jeu de mots, qui l'a Mbappé Ah, vous faites des blagues. Ah non, ok. Ok, j'ai eu peur. J j mon, mon chat n'était pas du tout à jour en fait. Mon chat n'était pas du tout à jour en fait. Ça va le son, il est bien. passez un bon moment, la musique est bien. Ah, il y a des gens qui l'ont. Ok. Si vous l'avez là, ça me donne. On est une équipe. Je vais, faites, faites comme ça. Tel le sangoku avec le Genki Dama. Et je vais, je vais, je vais entendre euh... la réponse. Surtout les lurkers à qui on a parlé en télépathie au début. Euh... Mais c'est un truc de super-héros. Un bateau. Pierre des Caraïbes. Et Hunger Games, quoi. Bon, on va mettre Hunger Games, putain. Les jeux de la fin. Mais c'est pareil, il y en a 27 des Hunger Games. C'est casse-couille. Ah, J'ai trop de possibilités, quoi. Me les propose pas surtout. Hein. Bon allez, putain. Oh il y a qui Il y a le gars de Kian Peel. Putain, j'ai pas vu. C'est un film de, de Watiti Dites pas, hein. Que j'ai pas vu Attends, c'est quoi ce truc Ça a l'air fou Ah, oh, c'est dur oh, Je les air. Dites pas, mais je les air. Y'a qui de qui, pile Lui, c'est le gars du SNL Ou je suis raciste Lui, il me dit un truc. Ok. Euh... Qu'est-ce qu'il m'envoie, mon cerveau euh, Qu'est-ce qu'il m'envoie, mon cerveau Euh... Il y a qui Ah putain Euh... Il ne reste plus que d'une 1. Ah hein oh, putain C'est Coleman ah, je sais pas ce que c'est. Putain C'est récent ça Bon forcément. Hein. C'est euh, ça Elle s'appelle comme ça Olivia Coleman La belle-mère euh, horrible de Flybag Ah je l'ai pas. Qui veut trouver qui veut, qui veut trouver Let's go les potes. C'est Wonka bah, quelqu'un a dit en dessous que ça avait pas marché, ça a marché, mon cas. Ah, genre ça, c'est euh... ah putain, mais en plus, quand j'étais en mode Johnny Depp au début, il y avait la vibe Johnny Depp, euh, c'est ça en fait. C'est la vibe Johnny Depp, euh, Willy Wonka. Si c'est ça, je suis, bah, vous êtes beaucoup à le dire, donc a priori c'est ça. Putain, je suis trop con. Là, j'ai pas, éc... pas bien écouté mon cœur là. J'ai pas bien écouté mon cœur. C'est quoi le titre, c'est ça Putain. Sa mère. Ah ouais, ils nous ont fait dans le truc méga récent de ouf, là. Ah oh là 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 là. J'aurais pu trouver Parce que c'est ça, là. J'ai vu Johnny Depp, là. J'ai vu Willy Wonka, quoi. Je suis parti sur Pirates des Caraïbes. J'ai pas écouté mon cœur. J'ai pas écouté mon cœur. Je n'ai pas écouté mon cœur. On l'a eu, celui-là. C'est quoi? C'était Joker? Je sais même plus. On l'a eu celui-là? Merde, on l'a eu! Et Flynn, c'est le nom. Il y avait déjà écrit. Regardez Flynn là. Là, il y a écrit Flynn. Il y a un gars en moto. C'est quoi? C'est The Batman? genre le dernier Batman là J'avais déjà eu le même bug je crois, j'avais commencé par... Euh... Putain comme quand on apprend vraiment beaucoup quoi Pas du tout. <laughs> Merde C'est drôle Flynn. Et il y a un con en moto là. Ah Ok. Voilà, c'est tronc. C'est Tron Legacy. <laughs> Et ça, c'est Jeff Bridges jeune. Et ça, c'est Jeff Bridges de, de loin. Et ça, c'est Jeff Bridges vieux. Enfin, non, ça, c'est un autre gars. Tron Legacy. Le, c'est un film des années 80 avec des designs de moto de ouf, là. Ils font de la moto de ouf. Et ils en ont refait un il y a pas si longtemps avec la musique des Daft. C'est lui, Flynn. Euh, non, c'est lui, là. Sur la tome, c'est lui, là. Et, euh, et je l'ai vu, bordel! Et là, j'ai retrouvé en 3, quoi. Putain, le bug. Alors que oui, c'est Jeff Bridges rajeuni, c'est The Dude rajeuni, je suis con, moi. Un, 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 un. Minuit 13, oula, bon, j'ai fait un jeu, en fait. Alors, il est 19h22, est-ce que quelqu'un se rappelle de dans quel film il est 19h22? Vous ne me backcitez pas, juste si vous vous rappelez d'un film dans lequel il est à cette là mais pas si c'est pour me donner la réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Si cette image vous vous spoil sur le fait qu'il s'agit de ce film, ne le dites pas. Mais juste si par contre, vous pensez à un film dans lequel il est star là à un moment donné, là vous avez le droit de dire. C'est clair pour vous <laughs> Dites pas, dites pas. C'est fou quand même. Et Tim qui dit je viens de voir sur la VOD que tu avais fait exactement le même cheminement Joker, The Batman, Throne Legacy. Ouais, ouais, bah je quand j'ai quand j'ai capté, je me suis dit oui, c'est sûr, c'est effectivement ce que j'ai fait la dernière fois, quoi. J'ai vu ce film, mais impossible d'avoir le nom. Attention, hein. <laughs> il est 127. Ah. ah oui, d'accord. J'ai je... cru quelqu'un, Bref. Alors, y a, il est l'heure sur un bras. Il euh, y a des petits doigts sur les téco avec un peu de terre, donc peut-être un film où c'est l'histoire d'un jardinier. Là, il vérifie s'il peut arrêter de taffer. Et c'est quand même dans un endroit donné où il fait nuit à 19h22. Donc moi, je serais lu, j'aurais arrêté de, de jardiner depuis longtemps. quoi. Je pense. Donc le jardinier qui, qui calculait mal son temps de travail, peut-être ça existe Attends, si je tape jardiner. jardiner jardinier, pardon, excusez-moi. Ah il me faut que ce soit en anglais. Comment on dit jardinier en anglais Alors, euh, bon, on va commencer sur des classiques Terminator 2. C'est James Bond, c'est Jason Bourne 2. Je crois. Parce que ça, ça peut ressembler à du Jason Bourne. Vous voyez, Jason Bourne, c'est Matt Damon, qui est un agent secret de ouf, sauf qu'il a perdu la mémoire, donc il se réveille. Et il, le scénario, il est quand même fou. Hein. C'est un gars, il se, il se réveille, et il se dit, je sais pas qui je suis, je sais pas où je suis, j'ai été secouru en mer, je suis sur un bateau, je comprends pas. Et il se rend compte qu'il est super fort. Il est super fort, super intelligent, tout ça, tout ça. Et il essaie de comprendre qui il est, en étant super fort quoi et du coup il se tape avec des gars toute la journée tout ça tout ça quoi et à la fin du 2, il y a une course poursuite et c'est mise en scène très documentaire et ça ça a révolutionné un peu la manière de filmer les films d'action et tout c'était fou quoi moi j'étais fan et du coup euh, là as une course poursuite dans le 2 et je crois qu'il a une manuelle de taxi quoi et ça finit tout pète quoi alors si c'est pas ça c'est marrant mais j'ai l'impression que c'est ça hein. parce que là on dirait une blague mais non les caisses elles sont défoncées et lui la caisse il la défonce pendant deux heures c'est peut-être pas lui, mais. De toute façon, je vais tenter ça. Hein. Si c'est ça, c'est classe quand même. Ah oui, mais je sais pas le nom du 2, moi. Jason Bourne. The Bourne Identity. Ah, attendez. C'est le 2. Et ils ont des noms à la con. Ils s'appellent pas 1, 2 et 3, quoi. C'est genre la, la mémoire dans la peau, la mort dans. La mort dans la peau, la mémoire dans la peau, euh, machin, c'est des, des titres bizarres. La mémoire dans la peau, il va dire c'est une trilogie, s'il te plaît, dit que c'est une trilogie, bâtard. Pfff. Le 2. Le 2, c'est la mort dans la peau. Et, et en anglais, s'il vous plaît, The Burn Supremacy. La suprématie de la burne. MDR. OK, vous êtes prêts On est ensemble, on y croit Nick sa mère, ça n'est pas du tout ça. <laughs> c'est pas du tout ça Je vous ai raconté toute mon histoire d'amour avec cette trilogie, je vous ai raconté tout le scénar et toutes mes scènes préférées, c'est pas ça. J'adore. C'est quoi c'est Mad Max mais il a pas des, est des déserts, hein, Mad Max, il y a pas des tunnels. Mais on dirait des gars de Mad Max, quoi. Bon, je vais mettre Mad Max, hein. Mais c'est bizarre, dites pas, hein. Mais bon, j'écoute mon cœur, donc là, mon cœur, il envoie Mad Max, quoi. Mais c'est pas Mad Max. Ils ont l'air de taper des barres, en tout cas. Ils ont l'air de taper... De taper des barres... Ils ont l'air de taper... Qu'est-ce que ça peut être Qu'est-ce que ça peut être Oh putain, je l'ai tellement pas... Je l'ai tellement hap... J'ai rien là, j'ai même pas une... J'ai tenté Mad Max, j'ai tenté Terminator. Euh... C'est... Qu'est-ce qui foutent Qu'est-ce qui branle Attends, mais c'est quoi les films où c'est le bordel comme ça J'ai rien du tout, quoi Ou alors c'est un autre Jason Bourne, c'est le... le 3 <laughs> Ça c'est des scènes dont je me rappelle pas. Est-ce que c'est dans le 3 qu'il y a une course-poursuite Et qu'il y a des scènes où je dormais mais je l'ai vu deux, trois fois, quoi. Est-ce que je m'endors vraiment toujours au même moment pendant les films Pourquoi il y a Bernard euh, Nemez là Non. Bernard Ménez. Non, c'est le, le gars du foot, ça. <laughs> Merde, je bug. Bon, bah je l'ai pas. Hein. D'une combien, vous pensez Allez, Man Max 3. <laughs> Mais vas-y un John Carpenter peut-être. Fais gaffe, Captain Il euh, Faut demander et tout avant de filer des Pierre Menez. Ah non ouais, c'est Bernard Menez, moi dont je parlais, le chanteur de Jolie Poupée. Euh, donc ouais, fais gaffe, Captain, c'est un indice de me donner, un, de me dire un John Carpenter. Euh, et pareil, quelqu'un dit un Mad Max plus urbain, c'est pareil, c'est interdit. Euh... Attendez, je vous dirai si je veux qu'on Mad Max plus urbain, c'est un indice, effectivement. Un Mad Max plus urbain. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas euh, Je l'ai pas, mais qu'est-ce qui m'envoie mon cerveau euh, Putain, ça va me faire chier. Je sens, que je, je, sens que je sens que je vais me dire que mon cerveau, il l'avait dans un coin et que je l'ai pas dit. Tu sais que c'est une idée qui est là, mais qui est passée, quoi. Euh, bon. Je vais, je vais bientôt vous demander à la langue au chat. Qu'est-ce que j'ai envie de proposer C'est genre. Euh, non, j'aurais reconnu. Genre. New York Non, Los Angeles, euh, machin. Euh 2000... Euh, je sais pas quoi, là. Merde, c'est quoi le titre oh, Redhead ah Non, c'est pas ça que je voulais taper, c'est le Carpenter, là. Mais pas celui-là. Bon. 1, un... Bon, c'est pas grave. Allez, hop. De toute façon, là, c'est triché vu que vous me dites des trucs. Et l'autre, c'est quoi C'est euh, New York 1997, là Ouais, c'est ça. Enfin, c'est à ça que je pensais euh, le coup d'avant, là. Mais j'avais la flemme de chercher. Et c'est quoi la nouvelle image Ah 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 ah, ah ah Regardez J'ai même l'impression que c'est ça Mais je suis con, j'ai tapé le, le, la suite d'abord. Ah donc rien à voir. Si, c'est le titre de base C'est le titre de base ah ouais, Escape from New York. Je me disais, putain, ça se trouve, c'est même, même pas ça. Il y a deux films avec Kurt Russell torse nu avec un, un truc sur l'œil. Euh, fait chier. Fait chier, j'avoue. Je l'ai pas vu, mais j'aurais pu trouver. J'avoue, fait chier. Et là, j'ai trouvé parce que quelqu'un a dit Carpenter et j'ai fait, ah mais oui, le truc de Carpenter, euh, machin vidéo. Effectivement. Attention, attention, au backseat. C'est écrit en géant qu'on n'a pas le droit. C'est écrit en géant... Bon, faut que j'arrive à être sage, c'est à dire faut que j'arrive à arrêter dans, dans deux quoi. Oula, là on commence sur du Batman. Ouais, donc faites gaffe parce que sinon je peux pas lire le chat, c'est triste quoi. T'as remis, remis le même titre deux fois. Ah merde, <laughs> ouais, mais c'est pas grave, on, on sait nous. Donc là, on dirait qu'il y a Batman et tout ça, les super-héros machin. Ah, c'est dur. Putain, alors là, ça peut être dans tellement de trucs. Salut, mais ça ira. J'espère que tu as passé une journée hyper. Euh, bah j'en sais rien moi. Il y a pas ça dans Avengers. De euh... toute façon là c'est les Batman et les Superman donc. Euh... Story, begins... Euh, bon bah ouais mais ça, ça peut pas être euh, Superman ou truc c'est trop facile. Euh... Pff, bon j'en sais rien allez je mets Ted. Ouais, hop. What? Y'a a que moi qui le vois en dessin le gars ou pas? Est-ce qu'il n'y a que moi qui le vois en dessin 1, 2, 1, 2, 1, 2. J'essaie d'avoir plus ma voix. J'essaie d'avoir plus ma voix. Ok, ok. Nickel. Euh, C'est dur ça. Hein Quel dessin Arrête, arrête. C'est un dessin lui-là. Ou lui, enfin l'un des deux est un dessin en tout cas. En tout cas ils sont pas faits pareil, on est d'accord. C'est les effets qui sont pas finis. Fais gaffe hein. Imagine l'animateur, il est, il est, dans le, dans le, c'est un modo, tu te fais ban direct. Euh, ça c'est dur hein, parce que mon cerveau il m'envoie R. Vous voyez la R la musique le groupe, bah là il m'envoie ça dans, comme musique, j'ai une musique dans la tête c'est R. au gazeux hein, je conseille Ce dictateur alors bla r hein. j'ai r de r c'est quoi la première image ah ouais c'est chaud ah ouais, c'est vraiment animatios animatios quoi euh, là, mon cerveau, il m'envoie quoi Il m'envoie euh... R. Allez, il m'envoie Mondo Plinton. Je sais même pas comment c'est s'écrit. Voilà, je suis dans la merde. Euh... Bon, je vais faire l'effort quand même. C'est quoi le film de Bill Clinton Mondo Plinton Je sais pas l'écrire Bon, je vais l'écrire mal, on y va. Voilà, Mondo Plinton. C'est ça que je veux, moi. Allez hop, you got it. Ben bah, je sais bien. Non je l'avais pas en fait. Ça fait une heure. Ouais on en fait deux, on en fait deux. Salut Cashius, t'avais pas eu la notif. Envoie un DM à, à Jeff Bez. Stop. Je conseille la Salvetta citron, une folie. Moi j'aimerais bien faire la différence entre les trucs. Mais moi je bois des eaux gazeuses, c'est toutes les mêmes pour moi. Alors, euh, lui, il me dit quelque chose, lui. Hein. Lui, il me dit quelque chose. Hein. C'est le dernier album de Jungle, la musique. Il est dur de fou, lui. Mais on dirait que tu l'as, pourtant. C'est quoi ça Putain, ça y est. Mon cerveau, il me lâche. Ça me dit un truc. Hein. Alors, ça m'envoie quoi ça m'envoie quoi? Ça m'envoie quoi? Ça m'envoie quoi? C'est de l'animation pure, mais ça, ça m'envoie rien, ça. C'est quoi? C'est un. Ah, je l'ai pas. Euh, hôpital, comme ça, couloir, gars avec un truc rouge, machin, euh... la nuit au musée? Allez hop. C'est pas ça, hein. j'en ai bien conscience. Hein. Là, c'est ça, je, vais... je pourrais pas dire, ah, je suis trop fort. Il bah. faut dire, bah non, t'avais dit que c'était pas ça. At the museum. Les gars, laissez-moi être fatigué. On peut avoir le film que je veux, s'il vous plaît C'est fatigant, hein, votre jeu. Crevant. Crevant, votre jeu. Je sais pas écrire les trucs. Bah, si, je sais écrire les trucs. Putain de sa race. Putain de sa race. Bonne nuit, Eskimo. Ah, c'est Paul Giamatti Non. Si vous voyez Paul Giamatti, le gars qui était dans, dans Winter Break, là, The Leftovers, ou dans. Sideways du même réalisateur. Je sais pas si c'est lui. C'est quoi les images C'est lui C'est censé être lui Attendez. Pff, euh... Du coup, c'est quoi les films de lui que j'ai pas vu de Alexander Payne C'est... Euh... Bah non, mais il n'y a pas Paul Diamati dedans, c'est The Descendant. Ah, je sais pas, je l'ai pas. Ouais, quand je pose des questions, c'est des, euh, des questions à rhétorique. C'est des questions à moi-même. Euh, on dirait Paul Diamati. Il y a un gars en face avec un chapeau qui a l'air d'apprécier le ketchup ou qui se trompe de sauce. Euh... <laughs> bon, j'ai rien d'autre avec Paul Diamati que... que Sideways. Et j'ai rien d'autre qu'avec Dagler-Sander Payne que The Descendant ou un truc comme ça. Donc je vais mettre The Descendant. Allez hop. C'est ça le titre. Je... Faut assumer de pas savoir écrire l'anglais, hein. attention devant en public, je veux dire. Ah sa mère. Ah. Oh C'est pas. Euh... Ah bah non, j'ai tout le temps qu'il y a ça au début. J'allais dire euh, le truc de Chicago là, les 7 de Chicago, je sais pas quoi. Mais c'est pas ça, mais... Euh, Chicago 7, là. Faut bien faut, faut avancer, quoi. C'est pas ça Film Netflix qui était vachement bien. Merde Qui était vachement bien, d'ailleurs. Ah bah vas-y, ouvre-moi le code source. Euh... Chicago 7. C'est pas ça les 7 de Chicago, Chicago 7. En fait, à chaque fois, j'ai les, les. Bon, c'est pas. Ok, c'est pas ça, là. La... <laughs> la réponse, mais t'sais, je me dis, j'ai aucune idée du titre en anglais. Je dis ce qui me vient. Et je trouve, quoi. Bon, par contre, c'est pas le film en question. C'est ça qui est con. Mais quand même. Putain de sa race. Euh... Eh ben non, hein. c'était pas Paul Giamatti du tout, les potes. Allez, qui veut gagner? Non, en anglais, c'est The Trial of Chicago. Ok, il me semble bien que c'était pas Chicago 7. American Splendor. Est-ce que plusieurs personnes vont me proposer ça Il faut qu'il y ait au moins deux propositions, quoi. Ah, il n'y a que euh, Scrappy Doo qui pense que c'est ça Backseat autorisé pendant 30 secondes. Là, j'ai « American Splendor » pour l'instant. Allez. You got it Bah, je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est. Et du coup, on va regarder vite fait ce que c'est, parce qu'on est quand même là aussi pour s'instruire un peu, donc un film dont on n'a jamais entendu parler. C'est vrai que pour rendre le truc ludique, je pourrais, quand je connais le film, vous en parler. Mais si C'est Polo, regardez Mais là, je le reconnais pas du tout Ah non, c'est parce que c'est un autre gars bah non, c'est le même gars. Waouh, c'est vous Regardez, c'est Paul Giamatti dont je vous parlais. C'est lui. Effectivement. Et du coup, qui joue dans Winter Break, là, cet été, dans ce film. Cet été, cet hiver, là, qui a eu des... Qui a été nommé aux Oscars et tout. On peut avoir l'affiche en grand, s'il vous plaît. Google, s'il vous plaît. On peut faire un effort. Qui était vachement bien. Et qui a eu des... Qui a été nommé dans tous les sens. Bah, la meuf, elle a eu l'acteur de meilleur second rôle, là. Et j'adore cet acteur, il est tellement touchant. Donc il est dans Sideways. Moi j'ai adoré Sideways. Voilà c'est ça. Sideways c'est ça. Voilà c'est ça. Sideways c'est ça. Moi ce réel, il est, est chambé, de hein, toute façon. Voilà. Je vais pas développer mille heures là-dessus. Mais du coup c'était un film de qui alors? Euh, L'autre film là. avec Paul American Splendor. C'est un documentaire. Hein? Ah oui c'est un truc sur la BD quoi. Ah ok. On suit la vie d'un documentariste, un documentaliste. Qui entrevoit dans la bande dessinée une façon d'exprimer ses frustrations. Ok, d'accord. Bon, bon, voilà, c'est un film documentaire qui doit être culte. Euh, écoutez, étant donné qu'il est là, étant donné qu'il est là, euh, si le gars il est là, bon, bah. D'où le mec dessiné, c'est parce qu'effectivement, voilà, c'est un mec fan de, de BD, quoi. Du comics, quoi. Voilà, tout s'explique, en fait, finalement. Hop Tout s'explique. On en aura appris, on, en aura, on aura appris quelque chose. On se fait le petit dernier les potes Allez, un one-shot. Allez, 8. Bam. Voilà, bon, ça m'envoie Funny People, mais c'est pas ça. Là où bosse euh, cette et... organe et son collègue rappeur dans la vraie vie. Dur. Il n'y aura pas de one-shot, je pense. Il n'y aura pas de one-shot. On dirait un peu euh, l'actrice, là, qui joue Leslie Nope dans Parc et Récréation. Comment s'appelle Je ne sais plus. Euh, très dur. Très dur. Attention à... Attention au seat. Euh... Bon, la meuf de Leslie Knope, elle joue dans. J'ai vu des trucs avec elle, mais là j'ai rien qui me vient quoi. Euh... Un film là avec euh, Tina Fey où elles sont. Mais j'ai pas l'air d'aller chercher des titres quoi. Ah, très dur. Bon, c'est la première en même temps, c'est normal. Je voulais faire un one shot, mais je suis un peu fou, quoi. Putain, mais quand même, ça serait un film avec, euh, avec elle. J'en ai aucun qui me vient. Bon, je vais mettre le truc du début, Fanny People, même si c'est pas Fanny People. Oula. Ça se complique. Ça se complique, les petits potes. Car ça, mon cerveau. Ne lui envoie rien du tout. Rien du tout. Bon. On a fait d'une un ou pas Il faut d'une épisode zéro. Oh Il y a Ethan. Qu'est-ce qu'il fout c'est un Richard Linklater Non, si c'est ça, je suis dégoûté. C'est un réel que je kiffe trop. Mais j'ai pas vu tous ces films. Donc là, il y a Ethan. Là, ça me dit un petit truc. Il hein. y a Ethan de Hawk. Pas de... Attention. Hein. Pas de... Bah, attendez. Là il, est. là il est avec un gamin là. C'est lui là Il a des enfants C'est le troisième volet de Bifor de, de la trilogie Bifor Trilogie Bifor c'est incroyable Pour les gens qui connaissent pas Richard, Je le fais en deux mots hein. C'est Richard Linklater, réalisateur, réalisateur américain Dans les années 90 il fait un film chambé sur un, un couple qui se rencontre dans un train une française et un américain euh, dans une capitale étrangère, je ne sais plus laquelle, genre Vienne, et ils passent une nuit ensemble, mais juste à discuter dans les rues, tout ça, machin. Ça se passe en temps réel. Je spoile pas plus, mais juste je vous dis que euh, le... ensuite ils ont fait une... un deuxième qui se passe dix ans plus tard à Paris et un troisième qui se passe dix ans plus tard avec les mêmes acteurs et tout. Et c'est, enfin, c'est fou, tellement intéressant en termes de cinématographie. Et c'est la trilogie Before. C'est Before Sunset, Before Sunrise, Before euh, machin, Before Midnight, je crois. Et le troisième, c'est quoi C'est Before Midnight, je crois Voilà, les questions sont rhétoriques, attention, hein, ne dites pas. Et... et là, je me demande si c'est pas le 3 où ça parle de la life et tout, ils ont vieilli, truc. Mais je ne me rappelle pas qu'ils soient essoufflés comme ça, parce que pour moi, ça se passe en temps réel, il y a pas plein de scènes. Là, on dirait qu'il y a plein de scènes et tout, mais bon, je vais tenter ça. Hein. Là, on dirait que c'est Boywood, quoi. Et Boywood aussi, un film du même réel, Richard N. un film qu'il a tourné sur 14 ans. Tu suis l'histoire d'un gamin, il a 14 ans, ensuite il y a une ellipse il a deux ans de plus, Ellipse il a deux ans de plus et tu le suis de genre il a six ans jusqu'à il est à la fac quoi c'est un vrai film hein, qui s'appelle Boywood, c'est fou c'est fou, ce réal il fait des trucs de fou quoi, et à chaque fois t'as des, des trucs un peu de pop culture de chaque époque et tout machin, puis juste de voir les acteurs vieillir et grandir et tout, boy, voilà quelqu'un l'écrit bien dans le chat parce qu'on peut croire que je dis Wood avec un W et c'est une dinguerie Boywood, c'est trop bien enfin si vous kiffez ce genre de film quoi euh, donc, on va tenter le before 3, et je crois que c'est before midnight. Pam, pam. Pam, pam, pam. Voilà, c'est ça, before midnight. J'aurais dû le taper là-bas directement. Alors, on va tenter before midnight. Allez, allez S'il vous plaît, soyez before midnight. Yes 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 ça, c'est bien, ça! J'ai trouvé! Bon, bah voilà, parfait! On finit en beauté. J'ai trouvé sur un 3. Un 3, c'est cool quand même. Et après, vous allez voir, il va y avoir Julie Delpi. Bam! Julie Delpi. Bam! Julie Delpi. Elle était un peu cachée là, c'était Julie Delpi, un peu cachée. <laughs> elle a, pour le jeu, elle avait dit: bon, allez, je mets ma main quand même un peu pour, la, pour que ce soit la photo 4. Mes photos 5, je vous préviens, il n'y a que, WAM. Ouais. allez bam, Julie le C'est trop fou. Et la trilogie, c'est fou parce que tu les découvres, ils ont 20 ans, quoi. La première qui se rencontre et tout, c'est trop bien. Et tu te dis surtout, tu peux pas... Euh, tu sais, le premier film, ça se passe sur une nuit, c'est un couple, voilà, je ne vous dis pas ce qui se passe, mais en gros, tu sais, ce qui est fou entre le 1 et le 2, c'est qu'à la fin du 1, il y a un gros suspense. Et c'est la beauté du film, c'est que justement, tu ne sais pas où a été leur histoire d'amour à la fin du 1, après qu'ils aient passé une nuit ensemble à parler, à se rencontrer, à tomber amoureux et tout, pendant une nuit sur un hasard de rencontre dans le train et tout, donc le scénario, il est stylé. Et, et fin du 1, tu sais pas ce qui se passe après. Donc c'est beau, ça peut te projeter, ça finit en soi, c'est pas un suspense en mode il y aura une suite, du tout, quoi. C'est juste une belle fin de film qui laisse aussi un peu de part à l'imaginaire et tout. Et dix ans plus tard, ils font la suite, et tu le fameux truc que tu te demandais de ouf, est-ce que ça s'était passé ou pas En gros, est-ce qu'ils s'étaient retrouvés ou pas En gros, voilà, pas, voilà, on se doute bien, quoi. Et bah, et bah tu, tu les retrouves dix ans plus tard, et tu découvres ce qui s'est passé... Est-ce qu'ils se sont revus ou pas, est-ce que machin et tout. Et tu te dis ça va être cool parce que le réalisateur, il est trop chaud, les acteurs ils sont trop chauds tout ça, mais tu te dis ça peut pas être à la hauteur du 1. Et ça fait longtemps que j'ai pas revu le 3, mais quand j'ai revu le 2 là cet hiver, j'étais en mode pff, Ils arrivent faire, je trouve qu'ils arrivent à faire encore plus mieux que le 1, ce qui est totalement impossible. Donc je rechigne un peu à voir le 3. Et puis aussi parce que voilà, bon, ça devient des problématiques de mon âge, donc là je vais pleurer en mode on est vieux, le temps passe, l'amour mais, mais je, je compte le regarder dans pas longtemps, cette trilogie, je, je c'est vraiment trop stylé. Florent Bernard a recommandé la trilogie dans son combiné vidéoclub, ça m'a chauffé un peu. Bah de ouf, franchement de ouf, c'est trop bien. C'est trop bien. Et ouais, Julie, de euh, même dans le 2, elle a un, son, son monologue dans le taxi, pour ceux qui voient, j'imagine, lors tu vois de quoi je parle, Quel dingue, quelle folie. Et la fin, je suis même ému. Là, de le, le re-raconter. Bon, bah super les potes, minuit 42, j'ai presque réussi. On parle de quelle trilogie La trilogie Before. C'est Before, euh, euh, Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight. C'est euh, un couple, tu vois une, une nuit de eux quand ils ont 20, 25 ans, une nuit de eux 10 ans plus tard, enfin un moment, un laps de temps court, une demi-journée, et la même chose 10 ans plus tard. Par les mêmes réels, mêmes comédiens, tout ça. Et eux surtout, plus ça va, plus ils s'impliquent dans l'écriture, parce qu'au début, sur le 1, ils, étaient, ils venaient jouer. Et ensuite, ils sont vraiment c'est devenu une collaboration artistique avec le Real et tout machin, donc c'est ce genre de projet, moi j'avoue, ça me c'est les trucs qui me parlent le plus quoi. Bon bah les potes, c'était trop cool J'espère que vous avez bien aimé cette petite heure, euh, ce petit live express. Ça serait cool que effectivement que ça vous plaise et que ça me plaise parce que ça permet d'en caler, euh, caler aussi comme ça en soirée parce que j'aime bien streamer le soir mais c'est dur c'est dur de bloquer toujours des des soirées fatos quoi. Donc voilà, j'espère que que c'est cool aussi pour vous. En tout cas, c'est très cool pour moi. On mis d'autres jeux dans le Discord, Aurel. Trop bien. Dans, su dans suggestions, il ouais. bah, faudrait que je me fasse un petit dossier pour aller, euh, pour aller ranger un peu les trucs, quoi. Pour pas à chaque fois euh, que vous emmerdez à vous m'envoyer des trucs, ou à galérer à les trouver dans le Discord. Vais-je le faire Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est marrant aussi un peu les jeux comme ça qui sont pas que jeux vidéo, tout ça, tout ça. Des petits jeux, euh, des petits jeux euh, sur des sites internet, quoi. C'est comme ça qu'on dit. Il y a la même pour les séries. Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais c'est bien foutu leur truc, hein. C'est bien foutu leur truc, en tout cas. Et puis, on se testera à l'autre fois le jeu des scénars aussi qu'on avait fait qui était cool. Ah non, ça c'est autre chose. Il y avait ça il y avait aussi le jeu des scénars. Non, non, arrêtez, je suis en train de me hyper. Non, 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 Allez, on est sage, on a dit une petite heure. Bon, bah c'était hyper, les potes. Je vous dis à demain matin pour les gens du matin, 9h30 pour la deuxième matinale de la semaine pour le nouvel épisode d'Ellen et les garçons, ce magnifique bingo. Regarde pas le Discord alors. Bah attends, j'essaierai je, de comprendre après euh, je vous fais des gros bisous je vous souhaite une nuit hyper à demain matin pour les gens du matin je restreamerai peut-être comme ça en fin de soirée demain si je rentre pas trop tard de mon plateau de stand-up et puis euh, et puis voilà, bonne nuit à tous merci à la modération, toujours un plaisir de passer un moment avec vous, et je vous